tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau rang 2000 incroyable. Et nous sommes tombés sur Thresh, un support. Oui, un support, mais on va jouer à D. Parce que c'est marrant quand même de jouer à D. Alors on aura un Z en face de nous. Alors avec nous, on a une Leona, un Jax, une Jinx et un Eternum nocturne. Donc c'est un nocturne qui éternue beaucoup apparemment. Pardon. Et en face, on a du Blitzcrank quand même. On a du Blitzcrank, il faut le signaler. On a du skin aussi, puisque Piltover Custom Blitzcrank, Warring Kingdom, Sinjao, SKTT1, Z. Puis de comme tous les débuts de générique, c'est magnifique sur le chat, c'est quand même extraordinaire. Donc je pense qu'on peut faire des choses quand même. Le but étant, bien entendu, de s'amuser comme d'habitude et de s'éclater. Alors là, ce qu'on fait. Excusez-moi pour la blague. Je sais que là ça fait rigoler un petit peu tout le monde. Du coup, comme je le disais avec les abonnés, les viewers actuellement sur le stream, oula, calme-toi. Là, les 250 000 abonnés approchent, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, parce que cette vidéo sera intemporelle, forcément, une fois qu'elle sera sur YouTube, mais là, nous sommes en live, nous sommes le lundi, et nous sommes également, nous sommes sur une plage horaire de midi 23. On est lundi combien d'ailleurs? On est lundi 18 août, voilà, midi 23. J'ai terminé. La vidéo pour les 250 000 abonnés, une petite vidéo dont je me suis fait plaisir. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai déjà mis un teaser, hein, n'est-ce pas, de 25 secondes. Vous étiez tous là, oh mon dieu, c'est terrible et tout. Et voilà, donc la tradition veut que je sorte cette vidéo pour les 250 000 abonnés. Mais les copains qui sont sur le chat, bien entendu, auront le droit peut-être à la fin de ce stream, à la vidéo en entier. Voilà, je vous le dis pour que vous sur YouTube vous êtes là. Oui, non mais alors c'est inadmissible, nous on est abonnés et tout et on n'a même pas le droit. Et même fallait être sur le stream. Alors, on sait pas, je sais pas encore si je la mettrai après. Je vais voir, j'aime bien garder le suspense. Alors, trêve de batifolage, retournons à nos moutons. On y va, nous sommes donc sur la mid lane avec un bon vieux Thresh. Oula, le nocturne il hurle là et tout, il est pas bien. Donc là on part sur ça, tac, 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 hop. Donc on va maxer. Bien entendu le E pour que les dégâts du Q-spell soient max, soit genre max. Alors Thresh AD c'est pas mal, honnêtement ça fait pas mal de dégâts. Le seul problème de Thresh AD étant que ses sorts ne lui permettent pas d'enchaîner avec des autres attaques. Je m'explique. D'ailleurs vous mettez un grab sur quelqu'un, pendant le grab vous êtes vulnérable, vous pouvez rien faire. C'est pour ça que c'est pour ceux qui jouent support, hein, qui n'est pas joué genre AD, enfin je ne peux pas jouer AD carry avec ça. Ça fait beaucoup de dégâts sur le premier hit puisque le Q-spell va faire beaucoup de damage, surtout si vous avez une IE derrière. Enfin moi je vais faire static IE je pense, ce qui permet d'arracher la gueule du mec en un coup. Cependant vous avez des phases où vous êtes assez vulnérable, hein, et ça c'est un petit peu le problème quand vous êtes AD. Vous avez beaucoup, enfin forcément c'est un perso support, donc vous avez des sorts de support. Après le R reste pas mal même si vous êtes AD carry, puisque comme c'est un perso qui n'a pas trop d'escape à part le grab, si vous pouvez jouer avec des ennemis dans la jungle ou des ennemis qui sont derrière, et qui aura quand même de quoi faire avec l'outil pour ralentir la cible ou même appeler des collègues avec la lanterne, etc. Donc il a une panoplie pas trop dégueulasse même là-dessus. Oula, ça veut invade. Alors attendez. Ok. Ta gueule. Allez, viens. Je l'aurai pas. Viens. Ouais, maintenant tu vas partir. Bon, on a plus de flash, on a plus d'ignite, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce que là, le jungler il est dans la merde noire. Après, il faut faire très attention maintenant parce qu'on est face à un Z. Et que le Z. Bon, je vais tenter, les gars. Bon, on perd pas l'XP, c'est pas trop grave. Ouais, bon, on lui met un petit coup quand même. On va récupérer les âmes. Alors, on a loupé nos last hits, mais ça c'est moins grave. On a tout donné pour la vaille. Et la vaille qui faisait un petit peu la maline là, bah, elle ferme sa bouche. C'était hoche comme vous dites. En effet, comme on dit dans le milieu. Non, tu m'as pas eu. Ouais, recule. Donc là, on lui met un peu de pression. Il va falloir bouger parce que c'est en Z. Et avec son Q-spell, il va essayer de nous harass. Et ça, faut pas. Ça, il ne faut absolument pas. C'est bon, on a le Q-spell maintenant. Terminé. Il nous a pas touché encore une fois. Il nous a pas gratté. Le problème, c'est qu'on va prendre l'aggro des sbires assez rapidement avec les autos. Comme ceci. Là il nous a loupé. Hop, vous avez vu. Ah dommage. Et là il a flash instant. Donc là il me manquait l'ignite. Sinon on l'aurait tué, on l'aurait first blood avant forcément. Malheureusement je n'avais rien, il le savait. On a tenté le fight et j'ai esquivé, hein, parce que là il a failli crever, hein. Il a dû claquer son flash, donc là il a plus rien. C'est pas trop grave honnêtement, c'est pas très grave. On est sur un Thresh. On pourra revenir après.
c'était chaud. On l'a, pour moi, on l'a outplay là-dessus. On a tout évité. Bon, il avait l'ignite, donc l'ignite forcément. Et il a dû forcer le flash pour pas prendre les dégâts des sbires. Les dégâts des sbires et tout. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors, on y retourne. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, notre jungle est pas trop mal comparé au jungle adverse, puisque lui était vraiment dans la merde. Là, il a essayé de pusher la lane. Malheureusement, il a mal fait. Moi, je vais revenir. Il a plus beaucoup de vie. Il va devoir bouger. Donc voilà, il va perdre un petit peu juste après. Mais c'est pas très très grave, hein, comme on l'a dit. Hop là. Donc là, on devrait récupérer ce qu'il faut. Voilà. Je vais prendre la lanterne pour avoir un shield. Le Z est plate. Bah, pour un plate, honnêtement. Non, mais il a bien joué après, puisqu'il m'a tué, forcément. Mais on a bien joué aussi. Je veux dire, là, on était en déficit de summoner. Hein, donc, forcément, c'était un peu plus compliqué. Après, Trell, faire attention parce que c'est très très facile. Enfin, faire attention. C'est plutôt facile avec Trell de cancel ses auto-attaques. Et des fois, ça peut vous empêcher de last hit comme un bonhomme. Donc, faut faire assez gaffe. Donc on a pris une ward, on a deux potions aussi, on va l'attendre. Donc je pense qu'il va les récupérer un petit. Lui il a dû récupérer des golds supplémentaires. Donc ça va être assez tendax hein, parce que c'est un Z quand même. Voilà c'est bien. Alors on en est où? On en est où? Ouais il a pris, et voilà il a de la régène. Il a ce qu'il faut, donc faut faire attention. Nous on devrait avoir forcément l'ignite qui revient bientôt, 44 secondes. Voilà, donc à partir de là on va voir ce qu'on peut faire. Hop, louper encore. Hop. Donc là on se met bien. On se met bien pour l'instant. Ah je vais crever là. Ah dommage. C'était chaud, j'avais pas de flash, j'étais bien avancé. Le bon réflexe bien entendu de mettre la lanterne pour s'en sortir dans le plus grand des calmes et des respects. Et on va essayer d'esquiver parce que là je pense qu'il va essayer de nous arracher à chaque fois qu'on va vouloir venir farmer. Donc là normalement ce creep là devrait pas mourir sous les coups de la tour. Voilà, il est nul. Dommage. Hop. Là, on attend. Et on récupère. Donc, c'est bon. On s'est mis plutôt bien. C'était chaud. C'était chaud. On a le Nocturne qui est arrivé. Alors, attends, mon petit Noc. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est un Z. Hein. Malheureusement, le Z, ça reste plutôt safe sur la lane aussi. Grâce à l'ombre. Faut arriver quand il... Oh, vous voyez, j'ai cancel l'auto-attaque. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est terrible ça. Donc là, vu qu'on est AD, pas très grave de pas monter le grab, très honnêtement. Le grab, je pense même qu'on le montrera en dernier. Pour avoir le shield. Ah là, il m'a touché sur les deux par contre. Ça, c'est chiant. On a plus trop de potions. Enfin, on a plus de potions. Et lui, là, on a plus trop de vie non plus. Donc là, son... quand il va prendre son 6, il va falloir se casser. Ah, et là, il veut prendre son 6. Hein. Là, regardez où je suis au niveau d'XP. Regardez-le. Il veut prendre son 6 et malheureusement s'il me fait ton of damage ça risque d'être assez compliqué. Voilà il a son 6. Donc là on recule. Alors je ne peux pas vraiment aider C'est mort. Désolé mais c'était le mieux que je pouvais faire. Sinon je crois qu'on serait mort tous les deux mon ami. Avec la vaille qui est arrivée. GG quand même. Mais désolé, désolé en même temps parce que t'as bien vu que je pouvais pas approcher dès qu'il a pris son 6, c'était assez terrible. Ok c'est bon, on va l'avoir. Il est resté un peu trop longtemps. Donc c'est bon, on s'est mis comme il faut grâce au jungler. GG Noc, c'est grâce au jungler hein, tout ça. Si Nocturne n'était pas venu, on n'aurait pas pu faire ce qu'on vient de faire. Donc là c'est bien, on récupère double kill, on va pouvoir partir sur une statique assez rapidement comme on l'a dit tout à l'heure. On push pas la lane puisque ça va pusher pour nous. Et on va laisser le Z revenir tranquillement. Ce qui est bien c'est qu'on perd pas trop au final sur ce trade. On aurait pu prendre plus cher. Donc cette ward qu'on a pas posée, on va quand même essayer de la mettre pour avoir des informations. Parce que cette vaille a l'air de s'y mettre beaucoup. Vous voyez qu'on a posé, apparemment ça doit être Nocturne qui a posé une pink ward ici, très bonne pink ward d'ailleurs. On va essayer d'avoir l'information plutôt par ici. Genre poser cette ward pour voir si elle fait ses vrais, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. Prends le bleu. J'en ai pas besoin du bleu pour l'instant. T'es Nocturne, fais ton farm, fais ta vie. Ma gueule, et ce sera très très bien. Ok. Alors, notre ami Z qui essaie de nous toucher. Il va nous toucher, il commence à faire beaucoup de dégâts. Vous avez pu le voir, il m'a touché qu'avec un Q-spell. Et pourtant c'était la patate des gens heureux qui nous aiment. Attends, il touche encore une fois. Là il profite du fait que j'ai besoin de farmer. Donc dès qu'il me voit approcher pour un creep, c'est la punition. Ce qui est assez logique. Cependant en termes de burst il va être bien au dessus hein. Si genre je prends tout ça va être compliqué. Donc là j'étais, je me suis foutu dans un couloir. Il aurait pu toucher avec un Q-spell. Il n'a pas fait.
Donc là, vous voyez, il aurait pu me toucher encore une fois. Oula, j'ai plus de son. J'ai une bug de son là pendant quelques instants, mais c'est bon, derrière il a plus rien. Ah, merde, dommage Nocturne. Alors, j'ai eu un. Au moment où il m'a ulti, j'ai plus eu de son. Bon, ça n'explique. Enfin, ça ne change rien au final. Mais c'était bizarre, j'étais un peu surpris. Donc là, il nous a ulti, il nous a dive et tout, nous a tout mis. Donc nous, on a loupé nos sorts, on n'a pas pu s'en sortir. Bref, on s'en carre, c'est pas très grave. Retournons-y. Ah ouais, là il a failli die hein. C'est dommage parce que le Nocturne n'a pas encore assez de dégâts là-dessus, il a pas pu aller chercher. Là le Z malheureusement a beaucoup de damage, faut faire vraiment gaffe. Ah dommage. Non, c'est pas grave Noc, c'est Z hein. C'est Z, il a le sabre vicié là, il a pas mal de stuff. Il va partir sur sa BOTRK forcément. Donc nous on va avoir de plus en plus de mal à pouvoir le tenir hein, forcément, c'est logique. Mais apparemment ça se passe bien sur les autres lanes, donc très bien pour les collègues. Il récupère le coup de buff, donc là, alors là, plus de cooldown. Là, ça va être un peu chaud, les gars. Nocturne, pour revenir sur la mid lane, on peut tenter quelque chose avant qu'il fasse trop le hit. Essayer de le forcer à utiliser son arme. Ok, c'est bon. Donc là, il a tout utilisé. Et s'il s'approche, il est plutôt en position nulle. Ok, on l'a. Ah merde, ah y'a la vaille. J'ai le glide maintenant, ça me dégoûte un peu. Mais avec les sbires il va crever, bien joué. Oh le grab. Ah non il va tomber. Dommage, il y avait également le blitz. Il y avait également le blitz qui est arrivé par ses entrefaits. Mais tu l'as eu. Il faut essayer de le limiter un petit peu ce Z. Il fait beaucoup de dégâts hein. Il fait vraiment beaucoup de dégâts et moi malheureusement je perds du creep là dessus. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on a dit qu'on partait sur statique 1400, on n'a pas assez. Pourquoi j'aurais pris des potions de dégâts? Malade. Hop, on va prendre ceci. On va pouvoir avoir un petit peu plus de dégâts. On va prendre quand même des potes pour la mid lane. Et maintenant, on va la jouer plus tranquille. Alors, là. Ouais, c'est chaud. Prends côte épineuse. Non, la côte épineuse, contrairement aux idées reçues. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont dans leur équipe? Ouais, la côte épineuse est pas folle dans cette composition là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ZZ qui est un AD caster. On a également un Corki. Corki qui est plus basé. Bah, il va utiliser beaucoup son ulti. Donc c'est du cast, et il va beaucoup utiliser ses auto-attaques, forcément comme tout à des carry, mais moins en fait. Genre la côte épineuse c'est vraiment fort comme un perso contre Yasuo par exemple, où tous ses sorts proc sur les effets onites, et là c'est genre c'est terrible. Là c'est vraiment terrible, mais sinon pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? On va essayer de la race un peu. Ok c'est bon. Là on va potion et on va patienter là. Parce que là il peut nous dive hein. Genre là il peut nous dive sans pression. Non putain j'ai loupé. My bad. Mon mauvais. Ok. Je pense que je l'aurais pas. Dommage. Je l'aurais pas non plus. Bon il a des potions, il a beaucoup de vie ce bâtard. Oh il a de la peine là. Oh la vache. Il est sur brutaliseur. Là le Godio il va nous démonter la gueule. Il va nous casser les gars. Ok parfait. Donc attendons un petit peu. Ouais je sais rien, j'avais posé ma main. On recule. Là il a deux niveaux de plus en tout. Et là la tour qui prend pas l'aggro. Je ne peux pas malheureusement. Il me massacre sur la mid lane. Ah là. Il a récupéré beaucoup de kills d'oeil. Il doit avoir 6 kills un truc du genre. Ah il a 6-2 maintenant. Bon on est pas bien. Puis on repère le farm parce qu'en plus il push. Mais pendant qu'il push il me dive après. Donc moi je perds tout l'XP et tous les creeps. Donc là du coup il a beaucoup d'avance. C'est impossible. Ah oh, là c'est impossible. Putain on est dans la merde. On est pas bien. Donc on repart. Là c'est le snowball de l'infini. Oula qu'est-ce qui se passe sur la botlane? T'es pas bien sur la botlane aussi. Bon on a 2-4. Ça se passe pas très bien. Je vous l'avoue sur cette mid lane. On va juste pusher un petit peu.
pour essayer de voir ce qu'on peut faire sur les autres lanes après. Parce que là c'est la merde. Meurs, meurs les creeps. Bon, y a un creep qui est resté. Alors là apparemment il te poursuit Nocturne. Je sais pas ce que tu lui as fait mais il t'aime pas beaucoup. On va essayer de passer sur la bot lane. J'arrive là. Parce qu'on essaye de tenter un truc. Parce qu'il va juste pusher et back. Ok. Il reste du people là-bas. Ouais, j'ai le boulot, j'ai pas trop envie de perdre. Faisons attention, mesdames et messieurs. On demande à le Jax là-haut. Oh là, putain, je fais plaisir. T'es plutôt chaud. Ok, c'est bon. T'inquiète pas, on l'a vu, hein, il est parti. Donc là le Z qui a tenté de tout mettre sur le Nocturne, ça a failli passer. En plus j'ai mis ma lanterne, mais genre ça a pas suffi, enfin je veux dire ça a pas suffi. Il a bougé, du coup il a pas pris le shield. J'ai cru qu'il allait y passer le pont. J'ai cru que ça allait être terminé. J'ai cru que ça allait être terminé. Allez, go. Bourrez les creeps. Essayons de récupérer un peu notre retard. Donc là il est niveau 11 en plus. Ouais niveau 11, donc forcément niveau 11 outil clairement légèrement plus fort. Revenons sur la mid lane. Mettons le niveau 10, attention à pas se faire toucher. J'ai lancé la lanterne exprès. Voilà, nice. J'avais flash lanterne pour que mon collègue puisse la récupérer. Mais bon, faut qu'il soit au courant malheureusement. Dans le feu de l'action, il va pas forcément le voir arriver. Donc bien joué, on a récupéré le kill. En tout cas là-dessus, ça a coûté un flash et un ignite. Nos ultis, mais on l'a eu, il faut essayer de le limiter un maximum. Ok, le Nocturne qui a l'air de vouloir descendre. Oh non, mais apparemment ils ont fait double kill, genre au calme, sans pression sur cette bot lane. Bien joué! Ils sont énervés là les potes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir IE. Comme on l'a dit, une bonne BOTRK aussi fera l'affaire par la suite. Mais là, on va essayer de maxer les dégâts. On va essayer de faire du damage. Parce qu'on va beaucoup crever, je pense, hein, vu notre gueule. Mais derrière, faut qu'on arrive à deal un petit peu. Donc là c'est bon, on a mis quelques coups, on pourra pas la tomber de toute façon, on va les récupérer. Les vresses, limite le red buff si on en a pas besoin et puis derrière on va back. Le plus important c'est récupérer notre niveau 1. On sera quand même petit niveau 2, même si c'est des ratios AP. Voilà, on crache pas dessus, c'est pas dégueulasse, hein, n'est-ce pas? Allez hop, meurs, 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 meurs. Ok. Pardon. Alors, là on back, au calme. Est-ce qu'on va s'en sortir? Attention, attention. Il arrive là. Il arrive là les potes, il vous a vu. Il est plutôt très énervé. Alors on part sur IE, on a dit. Hop. J'arrive. Attention, attention. Il est énervé hein. Il est énervé le Z. Allez, vous démontez, vous démontez. Voilà, il die. Bien joué, c'est ça les potes, c'est ça qu'on veut. Pas bien. Là, je suis pas bien. Par contre, la Léona elle est en killing spree quoi. La Léona elle commence à mettre des patates. J'ai vu le blitz arriver, bon bah j'ai essayé de taper le premier quoi. Même si on était, j'aurais dû focus plus le... J'aurais dû focus le Corki. Dommage, putain, dommage. Dommage, la Death Rocket était bien tentée. Attention Léona. Léona par contre elle ne s'arrête plus, elle est en train de massacrer tout le monde. C'est une bonne chose. Mais au moins ça a calmé tout le monde. Ce qui est bien c'est qu'on fait tous des kills hein, dans cette game au moins. Alors Léona, où c'est qu'elle en est d'ailleurs? Bah elle va pouvoir partir très tanky, elle va bien nous servir pour ça justement. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors repartons au calme, sans pression sur la midlane qui va être pushée par le Z. On va pouvoir récupérer quelques creeps. Ça c'est plutôt bon. Mmh.
Voilà. Le first hit sur le Corki, on a pu voir qu'il a fait beaucoup de damage. Et encore, j'ai pas beaucoup d'AD là, si vous regardez bien. Attention, ça SS. Si vous regardez bien, j'ai que 152 d'AD, c'est assez nul à chier. C'est de la merde. C'est pas très bon. Et quand on aura Yeo, vous verrez que le first hit va faire beaucoup plus de damage. Alors là, on sait pas trop où est le... Voilà, le Z est là-bas. On va pusher. Bon bah, c'est sûr, hein, les gars, il est énervé. Là, là, vous l'avez tué sur la bot lane, le mec, il voulait plus rigoler. Il en a eu marre. Ok, parfait. Oh merde, putain, j'avais mon ulti, j'ai tout loupé. Oh, j'ai fait n'importe quoi, mon gars. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors là, là, les gars, j'ai fait le fight le plus inutile de ma vie. J'ai rien fait. J'ai fait n'importe quoi. Alors là, je méritais de mourir 15 000 fois. C'était nul à chier. Oh, mais qu'est-ce que c'était nul à chier ce que j'ai fait. Oh là là. Et je me suis brûlé les yeux là, les mecs. Je me suis cassé les yeux, cassé la rétine. Bref, on va essayer de faire mieux parce que là, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde. Donc, finissons les bots déjà dans un premier temps. Finissons les bots. Et on va passer sur Yu. Alors là, zéro lanterne. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que là, le focus était nul. Le beat est parti. J'ai pas mis d'ulti alors que j'aurais pu. Au moins, serait genre la Jinx serait morte. Mais derrière, le Z serait mort beaucoup plus vite. Zéro lanterne pour aider les gars. Rien. Rien du tout. Donc là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec Thresh. C'était zéro. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va prendre. On va même prendre les Homeguard parce qu'on est des grands malades. On est des grands fous. Alors repartons et essayons de laver notre affront. Oh là là, nul, 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 nul sur 20. Ah ouais, là on est nul, là, on est méga nul. C'était méga nul. Vraiment méga de la merde. On a tout fait à l'envers. Alors, où est le Z? Ok, il y a le Blitz qui est sur la map, il est en bas, Z qui passe au mid. Donc là, bon, je le teste pas trop, le Z. On joue un petit peu sur le pocher. Parce que là, si il me go in, je die instantanément. Donc on est full AD, les gars. Oula, là, il y a du fight à faire. On a pas le temps. Ok, recule. Ah, très bien. Très belle ward. Je l'ai tué quand même, parce qu'il faut pas déconner, il y a un moment où le mec va pas pouvoir me tuer 15 000 fois. Donc là on a Jax, perso invincible, mais qui va quand même mourir, parce que là il y a du CC, il faut pas déconner. Donc on en a tué deux au final, on est morts tous les deux. Bon c'est pas grave, on s'est fait plaisir, c'était nous qui régalons. Donc là on va pouvoir récupérer la pioche, nice. 75, on aura le temps qu'on rip-up. Ça va être pas mal. Bien joué là, Jax, tu joues les pioches, tranquille, calme, sans pression. Corki, il fait mal quand même, il a quoi comme stuff Corki? Ah, il a 9-4, il a Trinité. Donc il a récupéré des kills quand même, mine de rien. Bon, il se fait assez plaisir. Donc là, c'est bon, les patates de Thresh, on a pu voir que là, le Z, il fait oh! Oh! Fais des dégâts, mais là, oh, oh, calme-toi là! Arrête, arrête, ça suffit, ça m'énerve. Bon, 4-7, on est sur un score plutôt bon. Score de hard carry, bien sûr. on se met bien dans la game. Non, j'avoue, la phase de lane. Le début, le fait de partir sans flash ignite, bah on a donné first blood quoi. Et après c'était un peu compliqué. Du coup après quand le Nocturne venait, bah on tuait le Z. Mais il y avait l'un de nous deux qui mourait. Donc au final lui il s'en battait les couilles. Il y a même eu un moment où il m'a dive. Nocturne a voulu après aller le tuer et il est mort aussi. Bon là c'est terrible. C'est terrible. Donc du coup le Z, sa phase de lane, il est sorti plutôt content, j'ai envie de te dire. Alors partons avec les collègues. Bon après ça va au niveau des grabs, on en a pas loupé des masses. Plaisir, il y a le petit qui arrive. On a gardé notre dash parce qu'on était. Non, par contre. Putain, le mec, trop de dégâts, c'est incroyable. Donc là, il a méga chaté. Là, pour le coup, il a méga chaté. Donc on allait chercher, mais j'ai gardé mon IGA. Je me suis dit, ça sert à rien que je claque le mate. On va le tuer. En fait, pas du tout. Puisque le mec s'en sort quand même.
Là ça me fout un peu les boules. Attention Léona, t'es pas très bien. Attention on a le world boss Jax qui arrive. Attention à esquiver les petits coups comme ça. Le dernier coup, ah non, dommage. Là c'était une auto-attaque, tu pouvais pas l'esquiver, c'était pas ta faute. Donc là on est pas très bien. Alors oui on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. J'aurais dû utiliser, vous avez raison, j'aurais peut-être dû utiliser l'outil. Je pensais pas. Ouais, je pense que j'aurais dû utiliser l'outil, je sais pas. Bon allez go, concentration, ça y est, on joue notre vie. Parce que c'est quand même une normal game, attends. C'est pas n'importe quoi. C'est quand même. On y va, on y va, on y va. Voilà. Tu vas le tuer, tu vas le tuer mec. Tu le tues. Tu le tues mec, t'as pas les sbires. Ah, j'avais fait un triple kill quand même. J'avais fait un triple kill. Bon lui aussi il fait un triple kill mais moi j'avais fait un triple kill. Donc là j'étais un peu énervé. J'étais un peu énervé. Le pata, non mais le pata, j'ai vu le Z arriver, je me suis dit bon, lui il va multi, à mon avis il n'y aura pas de pata. Et il n'y a pas de pata. Ça n'existe pas. Lui aussi. Bon c'est pas grave. Le truc c'est qu'on a récupéré beaucoup de kills quand même avec ce move, donc c'est plutôt intéressant. Partir BOTRK. Alors Z, regardons le Z. Le Z, le stuff qu'il a. Le Z est parti sur un stuff de type classique, BOTRK, il a pris Yumu. Il a un peu de PD du coup. Donc il faudrait faire de l'armure. Après si je fais de l'armure maintenant ça va être chiant. Ça va être chiant quand même. Donc je ferai quand même un rendu 1 je pense. On fera un rendu 1. Et là on a beaucoup de damage. On a beaucoup de damage. Mass damage. K7, 8, 9. Oui bah Warsit. C'est vrai que on rattrape un petit peu. Après moi je m'en fous, honnêtement, vous savez, enfin moi je m'en fous de die. Hein. Dans les fights et tout, tant qu'on gagne, enfin, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui est intéressant dans le jeu, c'est gagner la game. Enfin, le but, je pense, le but de du top, c'est de gagner la game. Enfin, moi je m'en fous d'être en positif ou machin. Tout c'est regarder les dégâts, regarder la participation au fight. Je peux pas, malheureusement, je n'ai plus de grappe. Ah la vache! Les damage de Z! Z et ses dégâts! Non, fuyez. Ouais, fuyez. Les damage de Z, genre infâme. Est-ce que je fais une QSS quoi pour Z quoi? C'est chaud. Est-ce qu'il faudrait que j'en arrive là en fait? J'en arrive à faire une QSS? Je ne sais pas. Lui en tout cas il a masse damage. Faut qu'on réfléchisse, faut qu'on trouve une solution pour ce Z parce que quand il va prendre un focus, on va die instant. Le problème c'est que sinon il va aller sur la Jinx. Et la Jinx c'est notre AD carry quand même. Et notre AD carry on a besoin qu'elle fasse des damage. Vous voyez, bon, elle a un stuff qui est plutôt. Elle a IE, enfin il manque des trucs encore, c'est sûr. Mais bon, il faut que. Faut protéger. C'est le plus difficile. Ouais, bah alors Zonia au QSS. Franchement, la QSS est mieux quoi. On voit D, on pourra faire Scimitar par la suite. Quand même quelque chose. Oh putain, les gars. C'est quand même bien mieux, pardon. Donc je pense qu'on partira sur QSS. Alors go, chercher le blue buff. Ah très bien, pas de blue buff. Regroup dude. Bon attention au Z. Butons le Z. QSS, c'est Quicksilver, donc c'est ceinture de Mercure évoluée en scimitar, je sais plus trop quoi. Donc voilà. Vas-y, reculons les gars. Moi je vais là. Je vais continuer à farmer un petit peu. Restons ensemble, mais tout de même, faisons attention. Parce qu'au niveau du regroupement, ils sont quand même assez pénibles. Alors. Voilà, c'est bon. Donc si on arrive à choper quelqu'un, ça pourrait être parfait. Le blitz c'est pas là. Le blitz c'est bot. Dommage. J'avais envie de choper quelqu'un là. Ça se passera pas comme ça. Hein.
Ah dommage. My bad. J'ai cru qu'il allait bouger plus tôt en fait. Après tant que spell, j'essaie d'anticiper un petit peu mais non. Mauvaise interprétation. Bien joué, on passe pas par là. Non, on va se prendre en focus. On va prendre le focus dans la gueule. Attention au blitz, hein. BJ les potes. Blitz est là. Bien joué, voilà. Bon, j'ai mis un ulti qui n'a servi absolument à rien puisqu'elle est sortie directe. Mais l'intention était bonne. L'intention était bonne. Donc on est passé. On a de quoi pêcher encore. On a de quoi pêcher encore, les gars. Ah. Bien joué. Bon, j'ai le flash. Donc là, on va prendre les inhibiteurs devant leurs yeux ébahis. Bien wedge. Fuyons. Donc là on a un Jax qui est plutôt énervé. Jax il en est où dans sa game? Jax est à 7-3, bon tout va bien hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le mec qui est en train de mettre les patates avec son lampadaire. Là il y a du farm pour la Jinx. La Jinx, Jinx tu peux aller chercher donc farm. Comme ça tu auras des items de fou et tout sera bien. On va aller chercher ça. Meurs. Oula, oula la lenteur du mec. Oh, il a un bug de run là. Oula, attends. J'avais wardé quand même. Your turret has been destroyed. Ouais. Est-ce que tu veux y aller? Je pense qu'ils sont là, mec, hein, sans déconner. Your turret has been destroyed. Je préfère checker, on sait jamais. Parfait. Non, c'est bon, je les ai vus monter tout à l'heure. Ah, bah, si, ils sont là. Très bien, donc ils étaient là, apparemment ils étaient bien ici, ils m'attendaient de manière fortuite. Je me suis dit non, mais attends, là ils ne peuvent pas être présents à cet endroit là, ça n'a aucun sens. Bah si, ah si, ils étaient là. C'est la Dayance, ce que je me disais, je les ai vus passer ces mecs, hein. Attention, c'est le goïn, là il est vénère, il repousse, oh là 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 là, quel bel outil, la roquette, le Jinx. Ah t'es sous l'exhaust, je la die. Ah non, pas du tout, tu régènes. Le Blitz ne veut pas te tuer. Oh là là, il stun, tu régènes comme un malade. Oh là 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 là, mais quel niveau de jeu. Quel niveau de jeu, la Léona qui donne son boule pour sauver les potes. Elle se fait gangbang. Ah c'est bon même. Oh merde. Bon là on a BOTRK, c'est pas mal. On fera des dégâts supplémentaires en plus sur les autos. C'est plutôt une bonne chose. On récupérer le raid. Donc là on est bien, cependant on est quand même un personnage qui va die de type rapidement. Donc il faut faire attention au niveau des placements et tout ça. Deal un maximum de damage sans trop se faire péter les gueules. On va toujours flash ignite hein, cela dit. Ok. Alors le creep. Voilà. Mais lui s'en va. Niveau Z. Le Z. Where is Z? Where is Z? Ils sont là. Z, ça va être le problème pour les gars. Y'a le Drake. Y'a le Drake. Non, c'est bon, ça ne vient pas. Parfait alors. Personne ne vient apparemment. Oh, les patates du personnage! My god! Ils font ça, les gars. Bon, normalement, ils auront pas le temps de le finir. Si on y va à cette vitesse, ça devrait bien se passer. Ah, si! Ah, quoi? Wow! Ah non, il y en a un. Ah, c'est Zed! C'est Zed, il faisait tout seul. My god! Oh non! Oh, je suis au fond. D'accord, Zed a dû le commencer parce que, mec, quand on les a vus y aller. Genre c'était impossible, j'étais là, non ils auront pas le temps de le faire. Ah ils ont massacré le bordel. What the fuck. Ah je suis choqué quoi, les dégâts de la vitesse. Ou pas du tout. Ah vas-y fais les creeps. Okay. On passe juste par là. Ok.
Non mais ça m'a choqué, je ne sais pas quoi dire, je suis très très choqué. Alors faisons de l'armure. Faisons la QSS. Attends, c'est comment qu'on fait la QSS? Ah c'est même pas... Ah, ça fait des résistances magiques, c'est vrai. Je suis bête. Suis-je bête? C'est avec... voilà, c'est là. On part sur ça, ouais. On part sur ça. Bon, faisons, il y a quand même quelques dégâts magiques en face. C'est pas ouf, mais il y en a. Oula, oula. Il y a Zed ici. Dommage. Je l'ai tenté. Au cas où si je l'ai tenté. Ok les potes, attention au blitz. Restons derrière ce sbire. Ce sbire est mon ami. Il manque Jax. Oh la vache! Bon, je l'ai touché qu'une fois, mais j'ai mis masse dégâts. Oh, ils nous ont massacré. Oh la vache! Ils nous ont pissé dessus. Ils nous ont pissé dessus. Alors, c'était pas le bon plan. c'était pas le bon plan. Là, honnêtement, c'était pas ouf. Hein, c'était pas génial. C'était pas folichon hein, ce qu'on a fait. Mais bon, on a tenté. Oh merde! Oh putain, l'autre il va pêcher là-haut et tout. Oh terrible, terrible, terrible. Ah ouais, 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 ils nous ont cassé la gueule. un peu de focus. Oh merde, le grab dans un trap. Non, en fait, j'ai voulu grab pour me rapprocher le plus possible et mettre l'ulti en fait. Mais là, clairement, c'était pas bon. En plus, il y avait Nashor, donc ouais, c'est vrai que c'était pas le bon plan pour fight. On est d'accord. Pour récupérer. Meurs pas. Your inhibitor has been destroyed. On l'a eu. Faut pas qu'il récupère cette inhib hein, donc du coup on a donné un peu de notre vie. On avait claqué rendu 1. Ok, nice. Donc là c'est pas trop mal. Par contre on a plus QSS hein. Ah on a plus QSS, on a plus de BOTRK qu'on a utilisé lors du dernier fight. C'est pas une très très bonne idée. Bon ça va, ça en fait 2 de moins avec le Nashor. Voilà, limite s'il me met tout le Z, moi je peux QSS instant hein, mais ah bon bah là t'es mort. Bah ouais il est reparti hein. C'est Z les gars. Fuyez. Partez. Enfuyez-vous. Va falloir que tu viennes nous aider je pense Jax, parce que là on est pas très bien. Pas dans le meilleur des cas là. Allez, on va chercher. Pas la bonne nouvelle ça. On va proc le truc. On retourne. Bon, ils sont. C'est bon, ils s'en vont. Ils prennent les jambes à leur cou. Sont au bac dur avec un Z, ça peut aller vite. Et puis Singao qui a TP, enfin il a TP tout à l'heure. Là logiquement il nous l'a fait. Mais ça peut aller assez vite. Attention, on va peut-être faire des trappes les gars. Personne ici. Ils ont pushé cette lane. Bon, ça a pushé au niveau de la bot lane maintenant vu qu'ils ont récupéré les nibs. Faisons très gaffe. Très bien. Donc ouais voilà, là ils vont terminer. Là ils vont terminer, là je dis on va fuir mais c'est trop tard. Pour un Drake, ça fait quand même assez cher les gars.
One shot Doctor Who, ils vont terminer. GG, well play. En tout cas, c'est sympa comme game. C'était sympa. Bon, on avait très shadé. La phase de lane a été quand même assez difficile hein, face à ce Z. Ce Z était plutôt énervé la plupart du temps. Donc c'était pas évident. Oula. Shut down. Oh non. Meurs pas. Oh oui. Oh c'est beau. Oh c'est le beau jeu. C'est le beau jeu. Il essaye de creed. C'est bon, vous allez avoir. Oh là là, vous leur avez pissé dessus. En fait, ils finissent pas. Ah d'accord, ils ne finissent pas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour nous. T'as fait un bon call. Ouais, c'était le bon call de Jax. T'inquiète. Là, t'as fait la diff, mon gars. Oh merde. Concernant les dégâts. Ah mais non, pas de win. C'est sympa. Si, c'était sympa. Moi, j'aime bien la game. La game est sympa. Hein. Franchement, elle est pas mal. Après, comme j'ai dit... En début de game, ça reste un très shadé. Donc très shadé, il n'y a pas des milliards de possibilités quoi. C'est ça le problème. Et puis moi le en face de lane, j'ai pas pu briller non plus. Donc c'est compliqué. Là le Z est pour moi le plus gros problème de la game. Le Z là il est. Ah bien. Go ça. Si on le fait maintenant, ça peut le faire. On fait très vite, on peut y arriver. Oh non! Non, Jax! Jax! Non! Non, Jax! Jax! Mais non! Mais non! Le retour de Jax. Tu peux pas faire ça, Jax. On s'en va. Oh, les gars, back. On a pas Jax. Fuyez. Fuyons. Non mais Jax, oui, le retour de Jax. Allez les gars, allez on donne tout. Ils vont faire quoi en face? Ils sont nuls, ils sont pas forts. On a le baron mon gars. Bon. On a un peu de résistance. Ok, plus de âme. Pas personne, ok, dommage. Dommage que j'ai loupé le grab. Ça va donner des choses assez fabuleuses. Parce que là, si on avait pu enchaîner avec ça, ça aurait été absolument terrible. Terrible pour eux. Bon, on a un peu de tanky. De tanking, pardon. Nous sommes un mini-tank. De mon personnage sur une attaque hein. Mon personnage fait des méga dégâts sur une attaque, mais c'est quand même une attaque. Donc groupe, attention au backdoor même. Y'a le Z! Ils sont là! Mon dieu! Mon dieu! Nanana! La game de tous les temps! Ils te ramassent sur les âmes! Nos âmes en paix! C'est le stress! C'est le stress, les gars! Ce joueur-là, c'est le méga stress! Alors attendez, bacon! Je voulais vraiment y aller parce que là on a Nashor certes, mais pas eu. Moi j'ai méga peur. Là on se regarde depuis 3 quarts d'heure. Ah y a pas Jax. Reculons mesdames et messieurs, notre Nashor est fini dans pas très longtemps. Bon, nous on a 2000 gold. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2000 gold? Eh bien sûr, on va acheter un rendu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est bon. On a le rendu.
Le Randouin. Randouin! Le personnage de Hearthstone, Randouin! Le prêtre! Là, restons ensemble, les gars. Bah, ouais, je sais, faudrait peut-être faire. Mais attends, on sait pas où est-ce qu'il est, il y a peut-être un trap là. Ah, là-haut. Ici. Ouais, c'est sûr. C'est bien ça, les dégâts. Oh, le grab qui passe. Oh là là, les dégâts, mon gars, tu vas faire quoi? Oh là, je suis deg, je suis méga au fond. Faut pas le chase, on s'en bat les steaks. Oh là, il gagne du temps, les gars, il gagne du temps. Là. Ah non, 7 secondes avant le corps qui est dans le... C'est trop de stress. Trop de méga stress. Y'a pas Jax, on s'en va. Bien joué. Fallait que je sauve la Jinx là. Bon, j'ai toujours mon rendu, hein. Rendu, hein. Oh merde. Mais merde. Très shadé. Ça met un peu de ça met un peu de piquant, le très shadé quand même dans la game là, on est d'accord. Un peu de piquant. J'ai pas assez en plus. J'ai pas assez pour partir sur la scimitar. C'est pas grave, on a quand même des golds, il faut pas les perdre ces golds vu que tout fight peut être le dernier fight. Partons sur des élixirs. Partons sur des élixirs. Mesdames et messieurs. Nashor. Nashor, c'était à 39-45. Ah merde, ça arrive à 46-45. Une minute, Nashor. Fais un trap là, fais un truc. Fais un truc, cette game elle dure beaucoup trop longtemps là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est le fight de votre vie. Venez, on attend là pendant une minute. Venez, go là. Vas-y, on attend là, ils font des traps de bronzo là. Moi j'attends là. À quoi que. Oh, il poche. Non. Ah, j'ai chopé une Veil, une Banshee Veil. On les split, les gars, c'est la merde. Non, j'ai pas eu. On se fait arrasse. Une Banshee Veil. Ils ont très très peur. Ils ont méga peur. Bon, écoutez les gars, c'est tout mettre derrière, hein. J'ai mis un rendu 1 et tout. Mais là vous êtes pas sur les bonnes personnes. Vous êtes pas sur les bonnes personnes. Non, vous êtes pas sur les bonnes personnes. GG, bon là c'est terminé. Oh là là, les gars, non. C'était pas sur les bonnes personnes là. Ah là 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 là. Moi j'ai claqué, hein, j'ai tout claqué et tout. Ah, ça va défendre. Non, il termine là, c'est fin du game. Bravo. Merde. Focus Beats. Bah non, moi j'ai pas Focus Beats, hein, justement. J'ai grab ici, j'ai mis l'ulti. Je vais mettre masse damage, mais bon, moi je suis un pauvre petit très shadé. Tiens, je rentre dedans, je fais. Et je meurs instant.
Donc là c'est terminé. Bravo en tout cas, non franchement c'était une game super intéressante, super marrant. Le Z a été un problème. Le Z a été un problème, vraiment. C'était genre hyper chaud. Donc bien joué en tout cas à nos adversaires qui ont très bien joué. Je suis allé les chercher quoi. Mais non, j'ai pas Focus Blitz. Bon, si vous voulez, pas Focus Blitz. Bref, alors voyons voir les dégâts quand même. Quand même, on a fait des dégâts. On est deuxième en termes de damage de notre équipe. C'est pas dégueulasse. On a fait plus de damage que Jax. Alors Jax, bon désolé, mais tu fais pas de dégâts. Ton perso n'est pas fait pour ça. Par contre, concernant le Z apparemment il était un petit peu énervé. C'est assez pénible. Non mais en tout cas bien joué. Bravo aux abonnés, bravo à tous. Merci d'avoir suivi cette game. C'était super sympa. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien entendu lâcher un maximum de pouces de type qualitatif comme d'habitude. Laisser des petits commentaires, vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Twitter. Voilà, c'est quand même assez fabuleux. Je vous fais les bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau round au Bidou Rando Jungle. Ciao!